que vous ne partez pas en Guinée. Moi, je suis pas allée en Guinée avant le 5 ans. Je suis allée en Guinée après le 5 septembre. Je suis allée sabrer toute personne que je voulais sabrer. Je suis rentrée ici aussi. C'est Dieu, j'ai la baraka de mes parents. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Et ce que vous n'avez pas eu, vous qui êtes là en train de parler, là, ce que vous n'avez pas eu avec, comment je vais dire, Dadis, vous n'avez pas eu avec Konaté, vous n'avez pas eu avec Alpha Condé, ce n'est pas avec Doumbouya vous allez avoir. Cherchez-vous. Moi, aujourd'hui, j'aime le départ. Moi, aujourd'hui, je suis à la... C'est que je suis au plafond. J'ai deux enfants, ils sont américains. Je suis américaine, je suis ici. J'ai commencé mes cours. Je commence mes cours de 9h à 13h. Et j'ai eu un bon boulot encore. Vous avez compris? Donc, vous et moi, nous ne sommes pas les mêmes. Moi, je ne suis pas au merci des gens. Doumbouya n'a rien à me donner. Même Alpha que j'ai soutenu, que j'ai tout donné là. Ici, là, ce n'est pas lui qui m'a amené. Ici, là, ce n'est pas lui qui m'a donné mes documents. Moi, je suis plus Alpha Condé que n'importe qui. Je suis plus RPG que n'importe qui. Parce que le propriétaire du parti, le président de la République qui est Alpha Condé m'a dit, regarde-moi. Et c'est lui qui m'a reçu. Et il m'a dit, si tu es venu pour quelque chose, il n'y a pas ça ici. Donc, vous n'avez rien à me dire. Et quand j'étais en Guinée, quand les gens qui étaient sur Facebook, le Fonal Prak a organisé sortir pour aller réclamer la liberté du président. J'étais en Guinée, j'ai fait le direct, je dis sortons-nous tous. Et puis j'étais là-bas aussi, je suis venue aussi et j'ai été gazée. Donc si vous aimez quelqu'un, quand il est au pouvoir, il n'est plus au pouvoir, qui vous a vu parler? Beaucoup d'entre vous, qui vous a vu parler? Je dis, personne n'est plus RPG que moi. Et ce n'est pas à cause de vous, je suis au RPG. Hein? Attention, moi je m'en fous. Si vous voulez sortir, vous raconter du n'importe quoi, ça m'est égal moi. Qu'est-ce que vous allez dire que moi, je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu? Vous-même, vous dites que ma communauté... Parce que c'est vous qui le dites, moi je sais que ce n'est pas ma communauté, c'est l'IFDG. D'accord? Mais vous avez dit que ma communauté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que ça m'a plu? Si c'est marabouté là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Si c'est pour me faire taire, quelle force? Je dis, ils sont allés, c'est allé, moi, mes frères dans le passé, mes frères et sœurs. Quand on est venu RPG, on s'est coupé la parole. C'est moi-même, j'ai changé de numéro. On était dans un groupe, je suis sortie parce que je sais, si j'étais en contact avec eux, ils vont me déstabiliser, ils vont me désorienter, ils vont commencer à me donner les leçons de morale. Donc, je me suis retirée du groupe. Je me suis dit, le combat là, je vais le mener. Je savais que ça n'allait pas être facile. Et c'est juste que je suis toujours dans ça. Mes frères, on a réconcilié, c'est après, il y a eu élection présidentielle 2020 là. Quand Alpha a été réélu là, après, il y a eu réconciliation avec eux. Ça n'a pas changé quelque chose dans ma vie. Mes frères et sœurs, c'est nous les petits-enfants. Ça n'a pas changé. Vous autres, vous êtes qui? Vous êtes qui? Si vous pouvez là, combien de fois vous avez dit que vous vous êtes battu pour que Doumbouya libère? Je vous ai dit quoi? Je dis, il ne va pas le libérer. J'ai eu toutes les preuves qu'il ne va pas le libérer. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis, c'est son destin. J'accepte, il va accepter. Prochainement, quand moi, sa soeur, je lui parle, là, il va écouter. Je suis allée en Guinée, c'était pour lui faire sortir parce que je savais qu'il n'allait pas échapper les gens-là. Donc, si vous aimez la maman de Doumbouya, vous qui parlez là, vous n'avez même pas honte que j'ai insulté la mère de Doumbouya. Envoyez la vidéo. Vous avez vu le vieux père, les injures qu'il a proférées contre ma mère. Est-ce que moi, j'ai dit ça? Et la maman, je dis, la maman de Doumbouya n'est pas mieux que ma mère. D'accord, vous êtes OK? Si vous n'aimez pas qu'elle soit insultée, là, arrêtez. Mais toi qui envoies les gens pour m'insulter, là, parce qu'on t'a donné l'argent, tu as distribué aux gens, là. Il faut continuer de, toi et Doumbouya, continuer de prendre l'argent, là, vous distribuer. Parce que les gens, là, je vais te dire, ton enregistrement, on m'a envoyé, quelqu'un m'a envoyé ton enregistrement. Là où tu as envoyé des gens de m'insulter, ils t'ont enregistré, ils m'ont envoyé. J'ai ton audio ici, mais moi, je ne vais jamais le faire sortir. Donc, j'ai compris. Et je ne doutais pas, je savais. Mais moi, tu sais qui va faire sortir ça? C'est quand ils vont commencer là. C'est eux, les personnes, tu sais, non? Tu sais, les personnes qui font jouer les audios des gens. Tu les connais très bien. Ils vont faire jouer les audios et ta voix va sortir et le monde va comprendre qui était derrière ça. C'est pas moi. Moi, je ne le ferai jamais. Voilà, je ne vais pas le faire. Mais quand je vous respecte, respectez-vous. Vous savez, je n'ai pas peur et je n'aurai peur de personne. Je laisse certaines personnes pas par peur parce que je pense à hier.
que tout le monde t'a laissé. Mon frère, c'est moi qui ai laissé les gens. Hein? Parce que vous n'êtes pas fiable, toi-même, tu sais. À cause de cette personne qu'on a parlé, toi et moi, combien de fois tu m'as rappelé? J'ai pas décroché, je ne décroche pas. Parce que moi, je n'ai pas peur d'être enregistrée. Hein? Parce que tout ce que je dis en privé, je peux le dire en public. Mais je ne veux même pas votre contact, en fait. Parce que vous n'êtes garanti au Mouna au café.